Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon. Donc, on se retrouve aujourd'hui normalement pour faire la deuxième partie de l'aménagement du coin camping. Donc, j'avais dit qu'on le ferait ensemble, mais j'ai un peu continué en solo parce que déjà il me fallait des clochettes et en plus je voulais aménager les cascades et tout parce que en vidéo ça aurait été trop long. Donc voilà, je l'ai fait un peu en mode solo. Et il nous reste à faire quelques trucs ensemble, donc je sais pas quoi encore, mais on va trouver. De plus, je suis allée dans la ville de ma pote qui a sa chaîne Crossing G. Voilà. Et j'ai récupéré donc des roses, des chrysanthèmes et des lys. Donc quand elles se seront reproduites, je pourrai vous en passer si vous voulez, si vous n'avez pas encore ces fleurs-là. Pour cela, si vous voulez venir dans ma ville ou quoi, j'ai créé un Instagram où vous pouvez m'envoyer des messages privés, j'y réponds. Si vous voulez que je vienne visiter votre ville en vidéo ou quoi, c'est possible, il faut juste me le dire. Et je passerai et on fera une petite vidéo sur votre ville. Ça créera un nouveau let's play sur la chaîne, présentation des villes de mes abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, c'est crossings du coup. Et du coup, voilà, je vous ai dit un peu tout ce que je voulais vous dire. De plus, je pense que sur mon Instagram, vous pourrez passer pour me dire oui, j'aimerais que tu commandes ça sur ton. J'aimerais que tu me commandes ça sur ton catalogue Nook. Je vais aller vous montrer ce que j'ai. Ou si vous voulez que je vous fabrique des trucs que j'ai en plan et que vous n'avez pas, faut me le dire. Vous voyez, là, je vous fais défiler. Ça, je pense que tout le monde. Ah, mais sur internet, je vois que beaucoup de gens cherchent des trucs, vous voyez. Donc, je vais vous montrer. Et s'il y a des trucs que vous voulez que je vous construise, il faut m'amener les matériaux. Et ben, tout est possible, hein. Il faut juste m'amener les matériaux. Donc, tout ça en message sur Instagram ou dans les commentaires. Mais du coup, après, il faudra passer en privé sur Instagram pour que vous puissiez me donner votre code ami ou. Je vous donne le dodo code pour venir dans ma ville. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. Si vous voulez des barrières que vous n'avez pas pu encore acheter parce que vous n'avez pas les miles ou quoi. Vous voyez, vous pouvez venir. Après, j'ai pas encore tout, hein, bien évidemment. Mais j'en ai déjà pas mal. Donc moi, je vais essayer de construire tout ça. Et du coup, ça pour décorer dehors, vous voyez, mettre des pots de fleurs dessus, si on peut. Mais du coup, voilà, je n'ai pas encore créé. Je ne suis pas encore occupée du mobilier. Mais du coup, voilà. Si vous voulez la baguette magique, hein, la baguette étoile, pardon, je l'ai chez moi. Si vous n'avez pas encore croisé Céleste, mais que vous avez eu des étoiles filantes. Voilà. J'ai pas mal de trucs en bambou aussi. Oups, oups. Donc là, c'est les trucs cerisiers. J'en ai eu pas mal. Ah ouais, je savais pas. Mais il m'en manque plein. Je voulais surtout l'arbre qu'on voit dans beaucoup de vidéos. Du coup, j'ai pas pu l'avoir. J'ai des trucs en coquillage. J'ai donc les trucs en fleurs. Bon, ça, c'est pas qui s'est passé. Et du coup, voilà. Ensuite, je vais aller donc vous montrer ce que j'ai eu dans mon Nook, catalogue Nook. Oh, la mise en point, la galère. Je vais essayer de modifier la distance de la console par rapport au téléphone. Peut-être que ce sera un peu mieux. Alors, Nook Shopping. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais j'ai lié mon compte Nintendo avec celui de du Pocket Camp. Donc j'ai des objets si vous voulez que vous n'avez pas. Super, magnifique. Donc voilà, j'ai des objets. Donc si vous ne les avez pas, vous venez dans la ville avec les clochettes qu'il faut et je vous les commande. Donc voilà. Ensuite, on va passer à ça. Donc je vais tout vous montrer. Et si vous voulez quelque chose, bah, faudra me le dire. Donc vous voyez, il y a des trucs qui ne sont pas achetés. Donc, oh, je ne savais pas que je l'avais eu ça. Non mais comme vous voyez, j'ai revendu tout sans.
Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai été dans ma pote, chez ma pote, dans ma pote, ouh là là, chez ma pote, et j'ai ramassé des trucs qu'elle avait mis par terre que j'avais pas encore eu, du coup ça a été répertorié dans mon catalogue, c'est pour ça. Du coup, voilà. Si vous voulez quelque chose, je vous montre tout. Petit barbecue. Petites fleurs. La brouette pour mettre dans votre jardin. Canapé de place. Oui, je regarde des trucs que je savais pas que j'avais eu. Oh, trop bien. La cheminée. D'accord, cône orange, il est bleu. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pas un problème de vidéo. Il est bien bleu. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Coussin, voilà, cyprès, des vitoires, diffuseur d'ambiance, drapeau de pêche. Oh, il est trop beau. Je suis fan du Japon, donc tout ce qui est écrit en japonais et tout, j'adore. Voilà. Ça, je l'ai eu aussi par un habitant. Voilà. Et j'ai quelques trucs pas mal. Ça, j'adore. Voilà. J'en ai beaucoup en vrai. Mais pas encore à la fin. Lui, il est beau. Il est trop beau. Il va falloir que je me l'achète. Je vais essayer de commencer à meubler ma maison. Ça, je pense que. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que là, dans la prochaine vidéo, on ferait quoi? Je sais plus si je vous l'ai dit. Je crois que je vous l'ai dit. Mais sinon, soit on décore la maison et on lui trouve un emplacement et on fait le jardin et tout. Oh, il est trop beau. Soit je vous fais je sais plus quoi. Qu'est-ce que j'avais dit? Ça, c'est pour mettre sur la porte. Je sais pas si vous le saviez, mais voilà. Si vous, il y a des gens qui veulent faire du style comme ça. Voilà. Du coup, je vous montre un peu tout ce que j'ai eu. Je suis bientôt à la fin. On passera après au. Ça, non mais. Ils sont à fond dans la divination, je trouve, cette fois-ci. Truc de fou. Ah oui, j'ai pas répondu à ma pote qui m'a envoyé un message en meilleur ami. Super, je suis cool moi. Donc voilà, j'ai fait le tour. Les vêtements, bon ça on verra plus tard. Bon, pour l'instant, je vais vous montrer les papiers peints. J'en ai pas beaucoup parce que bah, j'en achète presque pas. C'est beau ça. Donc voilà, les sols, il y a ça. On a beaucoup sur le thème japonais et les tapis, donc j'ai qu'un tapis, les fossiles et les musiques, j'en ai que deux, donc voilà. Mais du coup, voilà, je vous aurais tout montré. Si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas, hein, un message privé. Donc, on va aller voir le coin camping que j'ai amélioré. D'abord, on va répondre à ma pote qui m'a envoyé Hey! Du coup, je sais pas si elle est encore en ligne. D'accord, elle m'a envoyé Hey. Je vais faire pareil. Elle est encore en ligne. Ah, je galère. Donc, du coup, voilà. Alors, le coin camping qui est par là-haut. Il faudra que je fasse des chemins aussi, ça c'est un truc de fou. Donc vous voyez, le musée. Ah oui, c'est le musée que je voulais qu'on fasse aussi. Bon, après, je pense que la maison, elle sera pas difficile puisque je n'ai pas agrandi encore au max. Je suis en train d'essayer de faire des trucs de navets, là, vous voyez, parce qu'en ce moment, j'ai découvert qu'il y avait des navets qui pouvaient être achetés 500 clochettes, 500, 600. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, j'essaye d'avoir de l'argent grâce aux navets. Donc, je compte, donc comme je ne sais plus si je vous l'ai dit, mettre une rampe là et une rampe là, un peu espacée pour qu'au milieu du premier étage, il y ait un fossile. Vous voyez les trois parties du fossile, ou les deux, je ne sais pas combien il en faudra, mais un fossile pour montrer qu'ici c'est le musée. Et ici, faire un grand espace
pour mettre par exemple des cornes, pour faire genre une file d'attente et tout, vous voyez? Donc voilà, là j'ai plein d'idées. Donc il faudra que je pense que je le reculerai parce que il est collé à ici et ça me plaît pas trop. Donc pareil pour le phare que j'avais placé en tout premier, je vais le déplacer parce que ici je trouve que bah, du coup il y a la plage après. Donc j'aime pas trop, enfin voilà, je l'ai même déplacé déjà en fait. Je ne savais plus où je l'avais fait. Donc je vais vous montrer où je l'ai mis. Attendez, ça c'est un bon papier. Je suis toujours à la recherche d'argent. Hein. Donc, le phare, il est par là-bas. Du coup, vous voyez, j'avais l'île qui faisait un petit renfoncement comme ça dans la mer. Donc je l'ai mis là. Et je mettrai 2-3 décorations autour, je pense. Parce que bon, après, voilà, qu'est-ce qu'on fera au phare? Je sais pas. Ou alors, je coupe carrément, je mets que le phare. Je ne sais pas. Si vous pouvez m'aider dans les commentaires. Je ne sais pas trop comment faire ici. Mais bon, au milieu de la plage, comme ça me plaisait pas trop. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé. Ensuite, pareil, vous pouvez m'envoyer des messages parce que vous n'avez pas encore tous les fruits. Moi, j'ai tous les fruits. Donc, si vous voulez un fruit ou une fleur que j'ai, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc, ici, c'est pour arriver au camping. Donc, il faut sauter comme ça pour aller au camping. Donc, j'ai fait une descente de cascade là, qui me reste à décorer. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Peut-être, je sais pas. Peut-être que je vais agrandir un peu. Là, j'aimerais bien mettre des barrières cordes. Vous voyez comme ça. Et faire un chemin qui va à la plage au milieu. Ici, il faut la rampe qu'on aurait pu placer et rembourser d'ailleurs ensemble. On le fera après. Donc, on montera la rampe ici. Oups là. Donc, on arrive devant le panneau camping. Là, il y a le fumoir pour manger. Là, il faudrait que je mette un deuxième banc comme ça. Et ici, il y a le petit hamac. Donc, il manque plein de décorations qu'il faut que je mette, je pense. Là, il y aura le petit coin pêche qu'il faudra que je trouve un petit siège, vous voyez, à mettre pour qu'on puisse faire genre l'habitant va pêcher. Donc ici, j'avais remboursé la rampe et ça va directement au camping. Donc voilà. Le coin camping, il me plaît assez. Il manque un peu des décos, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc je vais vous montrer que là, j'ai fait aussi une cascade. Vraiment, le coin camping, il est séparé. D'accord, je me suis allée me bloquer là. C'est une blague. Ok. Donc le coin camping, j'ai essayé de le séparer par une rivière. Et du coup, voilà ce que ça donne. Faudra que je pousse ma maison. Mais du coup, vu qu'ici, il y a le coin camping, ici, je pense... je sais pas quoi faire par ici. Vous voyez, je n'ai pas encore d'idée. C'est assez... Mais, bon, du coup, voilà. On essaiera de le découvrir ensemble. Bon, du coup, la première chose qu'on va faire, j'ai toujours pas eu les plans pour faire des barrières en corde. Donc tout d'abord, on va aller installer la rampe ensemble. Donc on va aller chez Tom Nook. Hop là. Bon, bien sûr, on va mettre la même rampe que ce qu'il y a là-haut, enfin l'autre. Donc voilà. Hop. Ah, Chizu, bonjour, bonjour. Bienvenue au guichet de consultation de construction. Que puis-je faire pour toi? Parlons infrastructure. Je suis ravie de papoter un peu, oui. De quoi est-ce que tu voudrais me parler? Les ponts et les rampes. Construire une rampe. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va remettre la première. Du coup, 98 000 clochettes, ça va. Je les ai. Donc du coup, on va faire ça. Aménager assez d'espace. Oui, je sais mettre une rampe. Merci, c'est pas la première que je mets. Le pire, c'est que la seule rampe que j'ai mise, il va falloir que je la déplace, c'était celle au niveau du phare. Il va falloir que j'enlève tout ce que j'ai mis là, la détruire, donc payer pour détruire. Et il va falloir aussi que je déplace le pont, je pense. Enfin, ça dépend si je déplace le musée ou pas. J'ai plus de place. J'ai plus de place, c'est une blague. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je voulais faire non plus, c'est une blague. Ok, bon, je pense que j'ai assez de place pour manger 3 fruits.
vais récupérer des sapins pour mettre un peu en hauteur là-bas, au niveau du camping, parce que je trouve que les sapins, ça fait... D'accord, c'est pas ça que je vais faire. Je galère toujours à manger des fruits. Du coup, pour mettre au niveau du camping, parce que je trouve que ça fait très camping, les sapins, parce que d'habitude, on campe dans la forêt, hein, bien évidemment. Ou dans son jardin, quand on a peur d'aller en forêt. Mais ça, c'est... Voilà. Donc, il faudrait que j'ai plus d'hybrides aussi pour décorer un peu là-bas, faire un coin fleur, vous voyez. Peut-être mettre un arbre fruitier, vous voyez, pour que l'habitant il ait à manger et tout. Quel fruit on mettrait? De la pêche? Je vois bien une pêche là-haut. Un pêchier. Un pêchier. Ils sont où? Ils sont là. Donc voilà. Hop, on va les poser tout ça là-bas. Donc, je pense qu'on va peut-être mettre... Allez, s'il te plaît. L'arbre fruitier par ici. Pas assez d'endroits. Mais si, il y a assez d'endroits. On mettra des fleurs autour, vous voyez, pour faire un très cocooning. Je sais pas si un sapin rentrerait là et si ça gâcherait pas la vue. Je suis un peu dégoûtée si ça gâche. Hop, on va essayer, écoutez. Une blague, il n'y a pas assez d'endroits, c'est vrai? Non. D'accord. Bon. Super, je sais pas où je vais mettre mes cyprès du coup. Je peux en mettre un par là. Sérieux, ça va rentrer là. Oh, je suis dégoûtée. Bon, on va installer la rampe déjà. Je comptais la mettre du coup là. Non. Imaginons. Nickel. C'est parfait. Hop, on va la rembourser direct. Donc, comme ça sera fait. Le coin camping sera pas mal. Il y aura 2-3 trucs à régler la prochaine fois quand j'aurai eu les barrières qui me manquent, du coup. Tiens. Youpi! Du coup, je sais pas où mettre mes arbres. Ici, ça rentrera pas non plus. Je galère, hein. Faut pas s'inquiéter. J'ai pas assez d'espace pour mettre des arbres. On va peut-être mettre des bambous, mais les bambous, c'est pareil, en fait. Déjà, il y a mon pêcher. Peut-être qu'ici, il y en a un qui rentre. Ah ouais. Bon, le camping, du coup, on le voit pas trop. Enfin, le... Bon, si, ça va. Hop, et par ici, il y en a pas un... Non, ils sont trop collés, ça me plaît pas. Un là. Après, il faut pas trop que ce soit rempli, vous voyez. Il faut que ce soit épuré, c'est... Je mettrais peut-être des spots au sol, là. Ou des lampes de jardin. Je sais pas encore. Il faudrait que j'aille voir ce que j'ai dans mon... Dans mon chez-moi, du coup. Super, heureusement que... Ouais, parce que je sais plus où j'ai mis ma... Excusez-moi, je bâille. Je sais plus où j'ai mis mon truc pour passer par-dessus les rivières, c'est magnifique. Donc, un bambou là. Je sais, je crois que j'ai des pousses chez moi. Oh, je sais plus ce que je fais, c'est un truc de fou. Je sais plus ce que je veux faire, mais c'est rien, surtout. Ouais, donc la prochaine vidéo, je pense que soit on fait dans la maison, bon, après la maison, j'ai pas trop de place encore, soit on s'occupe du musée. Mais du coup,
Donc, qu'est-ce que j'ai là qui pourrait faire? Après, ça, c'est pas trop une chaise pour pêcher, mais bon, déjà, ça fera l'affaire. On essaiera d'en mettre un là-bas. Bon, il est pas très beau celui-là, mais. Attendez, je cherche. Sur la table, on pourrait peut-être poser ça. Qu'est-ce qu'on pourrait poser d'autre? Attendez, je cherche, je regarde. Qu'est-ce qui m'attire l'œil? C'est tout? J'ai plus mes spots au sol, rien. Oh, truc de fou. Bon, déjà, j'ai eu 2-3 trucs bien à mettre, donc voilà. Oui, je sais que j'ai plus de batterie, j'ai bientôt fini ma vidéo. Ne t'inquiète pas, petite console, tu vas tenir. Donc, je pense qu'on va placer ça et qu'on va se laisser ici. Donc, ça aura été très court. Enfin, l'installation, hein, je vous ai montré mon catalogue. Voilà, si vous voulez venir me parler, n'hésitez pas à venir en privé. Voilà. Donc, le truc, on va essayer de le mettre là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un sac de couchage. Où c'est qu'on pourrait mettre le sac de couchage? Alors vous voyez, il dort à la pleine étoile et tout. Oui, non, je veux pas dormir. Du coup, je me suis coincée là. J'adore. Merde. C'est compliqué à installer en vrai. Je suis encore coincée. Ah là, je peux monter. Parce que je crois qu'on a un dernier truc à placer. Qu'est-ce que c'est? Non. On n'a plus rien à placer? J'ai pris que 2 trucs. Lampe sol. Ah oui. Service à thé traditionnel, humidificateur, lampe à pétrole, tas de pétales de cerisier, bah c'est passé. Chaise réalisateur. On peut peut-être placer une petite truc comme ça. Oh, c'est mignon! Du coup, voilà. On va se laisser ici. Donc, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Je serai ravie de vous répondre, de vous passer des objets, qu'on ait des interactions ensemble. Voilà, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Surtout quand le jeu me plaît beaucoup, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc je vous rappelle mon Instagram, c'est CrossingS. N'hésitez pas à vous abonner. Je poste du contenu assez souvent. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous aura plu. À me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans mes vidéos. Je n'ai toujours pas investi pour. Recadrer pour enregistrer ma Switch, mais ça ne serait tardé, hein. Vous savez, avec le confinement et tout ça, je galère un peu parce que je préfère aller dans un magasin parce que je m'y connais pas trop pour filmer par contre les consoles, donc autant aller voir quelqu'un qui s'y connaît, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça risque d'être un peu compliqué pour l'instant avec le confinement, mais on va y arriver. Sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo qui risque d'arriver pas demain du coup, mais après-demain sur le musée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Bon confinement. Ciao ciao!